Ok, bon, alors, on va se relancer tout ça. Donc, mes salutations et bienvenue dans cette VOD Dark Souls 3, où nous allons enfin poutrer ce connard d'arbre couille. Oui, je commence, je suis direct vulgaire, mais en même temps, il a bien cherché ce boss. Donc, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Mais non! Bon, heureusement, il y a un brouillard, mais. Ah oui, c'est parce que j'ai attendu. J'ai attendu, du coup, vu qu'ils ont un chemin de patrouille. Ok. Va au forgeron pour les fragments d'Estus, mais j'ai déjà amélioré mon Estus. Il me semble pas que j'ai récupéré d'autres fragments, si? Ah, si, peut-être. Tiens, ben voilà. Ça commence bien. Bon, ce try ne sera peut-être pas décisif. Je peux pas le backstab. Mais non, mais... Ah! Bon, au moins, ça, c'est fait. Faut vraiment pas s'occuper des adds quoi, ils sont insupportables, mais au moins c'est le boss qui les défonce quoi. Mais laisse-moi au moins le temps de me relever avant de me mettre des coups de fourche, espèce de salaud! Oh, ils sont insupportables! Oh, c'est vraiment les adds le pire sur cette putain de phase quoi. Je vais changer de spell en plus. J'ai déjà plus d'astuces, bon c'est foutu. C'est clairement foutu. Regarde-moi ça, je suis mid-life et j'ai plus d'astuces. Allez! Bon, c'est quoi, on va faire un test. Mais non, mais la balance pas dans le vide direct, quoi. Bon, te retourne pas non plus, espèce de... Espèce d'arbre, quoi. Non, j'ai rien trouvé de plus insultant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est flippant quand il fait ça, quand même. Arrête de te retourner. Nom de Zeus. Ah, le boss de la frustration, quoi. Ok. Des couilles pleines de puces, c'est ragoûtant. Oui. Bon. Donc on va essayer de ne pas claquer toutes les astuces, on va aller voir si on peut pas récupérer des trucs. Là-bas, au feu, à l'iche-feu. Voyager. On peut-être même claquer des souls pour gagner un ou deux levels. Besoin d'aide, ça prend même pas 2 secondes. Mais non, mais justement, c'est trop chiant. C'est chiant si jamais ça prend 2 secondes. Enfin, il n'y a plus de jeu. Parce qu'à ce moment-là, genre voilà, je demande d'avoir un perso niveau 720 qui vient pour me carry, et puis voilà, et puis après on roule sur le jeu, et puis voilà, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt, c'est un peu le problème. J'avais dit oui, de l'estus, c'est pour ça que je t'allais le voir. Pas de fragment d'estus, voilà, donc sabre clair, tu vas te faire ban. Prends qu'une seule popo de magie, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. J'ai qu'une seule astuce cendreux et 4 astuces normaux. Alors, vendre des objets. 2800. On va garder l'âme de boss encore. On va choper un petit level du coup. À quoi? Du coup, 1600. 2000, ça devrait être bon. Bah, c'est pas de ma faute si tu dis que de la merde.
J'ai des fragments d'os, oui. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais... Ça a dû faire des trucs, probablement. Oh, j'ai même pas assez, sérieusement, je suis obligé d'en claquer une à 200 en plus. C'est celle-là, celle à 200? Non, ça c'est à 100, je crois. 2. Et non, c'était à 200. Oui, mais non, mais enfin, c'est... Non, c'est juste une question de challenge, et puis même si c'est juste pour un boss optionnel ou quoi, ben non, ça n'a pas d'intérêt. Retourne voir Yoel, il y a des niveaux pour toi. Ah, mais d'accord, mais en fait, t'enfiles régulièrement des levels. Et merci à Aizen, au passage. À Aizen, pardon, pour le follow. Donc, bienvenue à toi sur ce stream. Révèle la véritable puissance. What the fuck? D'accord, mais en fait, c'est genre, il file des niveaux, mais comme ça, quoi. Peut-être file un petit point en Vita. File quand même plus 20 PV. Bonne petite augmentation de 5%, c'est correct. Ah d'accord, mais l'intel n'augmente pas les points de... D'accord, c'est la mémoire juste qui augmente les points de magie, ok. Deux morts égale level jusqu'à 5. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas, hein, on va pas se plaindre, mais... Ok. D'accord, c'est vraiment le mode easy, en fait. Ça fait 2 heures que je suis la patate, un peu plus tard pour les salutations. Oui, je sais, mais je sais pas en fait qui est déjà passé sur le stream ou quoi, j'ai pas une mémoire de fou. Bah attends, mais c'est pété, est-ce qu'il va me filer tous les niveaux du monde comme ça? Ah, je vois que votre potentiel a pour ainsi dire atteint ses limites. Il dit quoi? Tout ça apparaîtra bientôt plus clairement. Ok. Bon, on va en votre seigneurie. Bah voilà. Bah du coup c'est bon, on a rentabilisé les spells qu'on a achetés. Ça c'est plutôt bien. Mais merci pour l'astuce. Mais ça rend moche le level up, tu vas voir si t'enlèves ton casque. Ah oui, merde! Ah oui, putain, on est vraiment abîmé quoi. Je crois que j'ai trop de puissance. Ouais, bah on va laisser le casque, hein. Voilà. Avec ses 46 morts, il devrait être niveau 500. non, c'était pas pour en ruine, non merde, c'était le truc sous la falaise qu'il fallait. Et la suite de la quête est débloquée, d'accord. Et encore, c'est pas beaucoup, meurt encore et ce sera pire. Ah mais d'accord, mais la mocheté en fait s'accumule, mais pas... la mocheté s'accumule, mais pas la puissance, quoi. Ok. Comme en vrai, en fait. Ah merde. Place dans 30 ans. Bon, si jamais je peux balancer des boules d'énergie, limite, voilà. Si jamais c'est le prix à payer, ça passe, tu vois. Tant que c'est pas les aiguilles à la con là, ça me va. Allez, c'est parti pour le 120e essai. Quand tu meurs, tu prends 2 points de carcasse. Et plus t'as pris 2 points de carcasse, plus t'es desséché. Ok, ok. Merde, mais non! Bon, en même temps, le boss, je l'ad trop facilement, en fait, c'est pour ça que je... Pour ça que je bois une astuce à chaque fois en début de combat, enfin, avant que le combat ait commencé. Parce que sinon, voilà, y a pas de challenge. Ah, d'accord, il était en son pattern d'attaque, du coup, ça l'a pas mis en PLS. Ok. Mais du coup, c'est chiant.
Ah, et ça peut mettre des dégâts aussi. Ok, je ne savais pas. Je voulais... je vais lui latter les couilles. Bon, attendez de se faire un truc avec les grosses lances... avec les grosses lances débiles. Arrête de te retourner quand je te balance. Dès que tu vas voir un arbre chez toi, ne le frappe pas. Merde. Ça me donne pourtant une excuse pour détester la nature. Aïe! Non mais ça c'est pas gentil. Tu peux pas me rush comme ça alors que t'es un gros tas. C'est... ça n'existe pas. Ah! Quoi? Non mais la chope s'il vous plaît quoi, toujours plus à ne faire, putain. J'ai l'impression de voir la... la chope du géant qui te balance les boulets dans DS1. Genre juste il peut te choper mais derrière lui, y a pas de problème. Alors l'animation n'a aucun sens. Bon bah... J'arrive toujours pas avec ce follow-up, hein, j'arrive toujours pas à le... Allez, une couille en plus, enfin, ou en moins, ça dépend comment vous comptez. Une couille en plus, en moins, mettons. Ah, j'aime pas du tout ce boss. Ah, je trouve qu'il a aucun sens, quoi. Ok. Mais si, je vois une couille, là. Par contre, pourquoi les couilles du milieu n'explosent jamais? C'est chiant, non? C'est quoi, c'est si jamais genre tu fais pas assez de dégâts pour que tu puisses vraiment finir le boss? Parce que sinon c'est pas possible. Un truc comme ça. Ramène ta mimine. Non, il est presque mort, j'ai plus, je suis en ruine, j'ai plus rien. Non mais par contre, balance pas le peu de spell qui te reste dans le vide par pitié. Oh putain, bon on va devoir se le faire à la main. Ok. Ah il m'a mis un coup de pied en passant, très bien. Et il m'a mis un coup de coude, oh sérieux. La nature cette salope par Blazing Iron. Elles peuvent péter les couilles du milieu, mais attends, mais genre je lui ai mis 25 000 sous le spire et 4 coups de katana, faut arrêter. S'il meurt maintenant, c'est magique. Putain, je me suis fait jinx, c'est dégueulasse. Oh non, mais en plus, là non, genre juste il s'envole et puis il met un vieux coup de talon, genre sans faire exprès, puis derrière il m'achève avec un coup de coude, sans faire exprès. 10 morts déjà sur cet arbre, sérieux. C'est bon, la tête dégueulasse, enlève ton casque. On va l'enlever avant le brouillard. Mais alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, il est bien décrépit quand même. Oh! Bon, allez, hop. C'est pas le dernier boss, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Bon, pour moi, c'est tout comme, mais ce n'est même pas le dernier boss.
Ah. Ok. Ok. Ah non, mais celles-là aussi, elles sont protégées, mais c'est chiant. Je fais le décalage. Donne-moi les souls, merci. Non, attends, c'est pas sur celle-là même qu'il y a les couilles. Ah mais d'accord, ok, genre ça refait des émanations. Ok. Ah non, celle-là je l'ai déjà cassée apparemment. Ah, cette chope, putain! C'est safe de passer par là? Oui. Peut-être d'ailleurs le truc à faire. Normalement il reste des couilles sur une main, il me semble. Ah. Ok. Bon et là maintenant je latte les couilles de ses couilles et ça devrait aller. Bon il va me remettre encore une chope de l'enfer je suppose. Bon d'ailleurs on va boire avant de la prendre. Putain de bordel de merde. Cette chope, mais putain, elle est instant, c'est débile. Pourquoi tu tapes jamais la main, il reste unlock. Eh ben mon cochon, enfin, après seulement 7000 essais et demi. Il me reste un quart de point de vie, j'étais dans l'acide, c'était un peu hasardeux. Il n'y a pas d'autre loot que ces deux-là. Non, ça c'est des bougies. Bouclier du dieu de la guerre. Os du retour. Génial. Je suis pas sûr que j'ai le droit. Ça va pas être évident de boire. Bah si, tu renverses l'estus et puis après tu lèches les gouttes qui passent. Hein. Comme tout le monde. Allez, on se casse à l'iche-feu. Il se voit à des kilomètres, mais on tiendra pas rigueur. Chut. Ne dites rien. Tu vas pleurer du sang. Très bien. J'ai hâte. J'adore ça. J'adore pleurer du sang. C'est mon dada. Ah, j'adore sa voix. Bah du coup, je m'imagine c'est à... André, qu'il va falloir le filer. Non. C'est pas à toi quand même que... Non, elle s'en fout. Ah, c'est le mec sur son trône, très bien, bah, c'est le dernier que j'allais voir. Et genre... Genre, là, tu vas pas me dire que ça, c'est pas pété, que le mec peut pas enjamber ça. Putain, ce bordel de merde. Nom de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je ne risque pas de bouger d'ici. Ben oui, tu n'as plus de jambes. Ou alors, elles sont passées dans la texture, je ne sais pas. Donnez le foyer de transposition. Oui. Je l'ai vu dans le genre, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Maintenant, trouvez-moi une âme tourmentée. Ah,
Alors pourquoi pas en profiter pour pratiquer un peu la transposition? Allez, c'est parti. Alors, l'arme de l'arbre de géant maudit pour un espadon tueur de carcasse. Le grand marteau de Vort. Qu'est-ce que j'en foutrais? Il est estropié, bah oui. Ça roule d'amour, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Aile gauche de grand maître. Les attaques successives restituent des PV. Oui, enfin, c'est bien, mais. Bon, remarque, ça demande le truc de la barrière, de la balai voréale. Et merci, et bonne nuit à toi. Bon sel, merci. qu'est-ce que c'est que ça? Ça demande beaucoup trop de dext. Ça demande beaucoup trop de force. Et ça demande beaucoup trop des deux. Donc on va consommer l'arbre du géant et on va. Enfin l'âme du géant. Et on va prendre ça vu que de toute façon on n'a pas de. Traiter la gardienne du feu. Vous avez une destinée commune. Ok. Le marteau est trop fort au début. Je vais pas investir en force juste pour le début quoi. Il s'est lui-même coupé les jambes pour rester sur son trône et être sûr de faire son devoir de seigneur des cendres. Putain, la violence. L'arbre du géant, enfin l'âme du l'arbre géant. C'est un peu chiant à dire. Détritus est consommable. What? Permet de se fondre dans l'environnement, attire certains types d'ennemis. Ah, mais c'est parce que tu faisais des paquets et pas des résines en fait. C'est peut-être pour ça que ça durait que 5 secondes. Le buff à la con. Elle vend des items ou pas? Intéressant. Armure de maille, casque de maille. Bon, c'est un peu osef quand même. Ouais, j'avoue que le mec, ouais, il porte ses couilles, mais. Mais déjà, il est obligé de prendre une remorque, quoi, pour ça, c'est un peu abusé. T'es qui, toi? Yura de Londor, une de ses amies, ok. Allow me to express my gratitude in his stead. Salut Dinamon, ok. That a lord art thou not, bearer of the dark sigil. For the time thou remainst our lord, we of Londor, and I of course, am also thine. D'accord, très bien. Ah, il y a vend des items. Alors, pierre de purge, ça va être super important parce que je sens que je vais bouffer des malédictions à un moment ou à un autre. Kunai empoisonné. Son ancien inflige des dégâts et empoisonne. Rien à carrer. Tome divin de Londor, donc ça on s'en fout. Flèche d'âme, lourde flèche d'âme, espadon, arme magique, bouclier magique, ok. Main sombre. Oh, c'est une arme, ok. C'est vachement rigolo, mais ça coûte 12 000. Donne apparence humaine à un spectre. Permet de prendre l'apparence d'un spectre. Et un anneau sacrificiel, bon ok. Il y a des trucs intéressants quand même. La pierre de purge, elle sert à trouver forme humaine, quoi? C'est tout? C'est pas le truc anti-curse? Ah merde, mais en fait il est desséché, c'est pour ça que c'est elle qui vend les sorts. Merde, ça fait chier. Bon bah rip. C'est donc ça, je suppose, que vous appelez la suite de la quête. Mais comment tu m'as vu venir, bordel de merde? Ah non, vous allez devoir avoir besoin d'une flamme de pyromane aussi. Premier garde à ne pas vous brûler. Ok. Donc on peut renforcer la flamme de pyro. Apprendre des pyromancies. Transpiration abondante. Ok. Très bien.
Ah, ça demande de la foi, la pyromancie, ça demande de la foi et de l'intel, ok. La cœur, c'est différent de Dark Souls 1, hein, tu meurs juste. Ah, oh, d'accord, ok, ça c'est plutôt cool. Ouais, bon après c'est le bordel, le lore de Dark Souls, que j'ai jamais réussi à rentrer dedans parce que c'est trop fractionné. Après, il paraît que c'est absolument génial, mais... Bon, par contre... Oui, je me suis pas arrêté au feu pour le level up, ça c'est beau. Alors... Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Parce que la faux, franchement, franchement, c'est pas ouf. Je préfère largement Lucci. Même si je préfère le moveset de la faux. Lucci Katana fait quand même beaucoup plus de dégâts. On peut peut-être investir en vie en endu un peu. On peut foutre 3 levels de toute façon. Peut-être foutre genre 2 levels en endu, 1 level en intel. Bon, allez, c'est parti. Pareil, la feu niveau 2, je sais pas ce que ça fait. Port en ruine, fosse aux carcasses, liche-feu. La merde, alors attends, du coup, je vais où maintenant? Parce que ça, on y accède comment? On y accède par en haut? Une sauce, ça. Oh! Fragment de Sita. Bon, bah pourquoi pas. Voilà, bon, j'ai drastiquement l'impression de revenir en arrière parce que. Parce qu'on est déjà passé par là, mais. Barrez-vous. Reviens au trou, au boss. Tu veux dire après la reine du boss qu'on a affronté? Bah je sais pas du tout où on va moi. Face de la reine.
Ah putain, il a quand même laissé un trou casse conséquent, comme on dit. Non, même pas. Bon. Ici, à droite, tu descends et c'est bon. Bah en même temps, à droite, avec les 30 secondes de décalage... Non mais... Tu descends les marches, tu suis la route. Ok. Allez. Non, je veux pas faire un câlin. Ah oui, ça y est, je vois. Ok, ok. Merci, merci pour les renseignements. Mais non. Oh putain. Donc là, je sais qu'ils vont nous lancer les marmites à la gueule. Voilà. Voilà. Bon, courir comme des gros porcs, c'est peut-être pas la bonne, la bonne solution. On leur a pas lui parler de suite, justement parce que j'ai mis le mob au cul. D'ailleurs, c'est un feu utilisable, le truc à côté du Kalilu, ou c'est juste une vieille lanterne pour Havre? Non! Remonte pas! Merde! Papa la papa! C'est pas très intelligent de le faire en face d'eux. What the fuck, c'est quoi qui m'a tapé? Enfin, je veux dire... autre que le boss, qui, enfin que le mob qui m'a mis sur la gueule. Je sais pas pourquoi je dis boss, pour eux à chaque fois ils sont beaucoup trop gros. Ils veulent pas me tomber sur le rab, là. Ce serait bien leur genre pourtant. Ouais, ils sont cassés, ils en avaient marre. Très bien. Bon, le problème, c'est que le chevalier oignon aussi s'est barré, il en avait marre. Bon, je voulais parler à l'autre, là, mais tant pis. On va juste aller chercher le feu en bas et ensuite, je vais couper la VOD et terminer. Alors, peut-être un petit... je pense qu'il va se faire éclater par le chevalier, dirait-il. Je pense que tu parles du type de froid qui est en bas. Qui est là. Eh ben, en l'occurrence, je connais la strat. Vous allez voir, ça va être stylé. Pas du tout. Mais il va se passer des choses. Voilà. Donc là, lui, ça c'est un mob extrêmement méchant. Il est très rapide, etc. Voilà, c'était super dur. Je pense qu'il va se faire éclater, oh là là. Tout le monde connaît cette chise, mais bien sûr. Mais bien évidemment, on va y aller, on va essayer, on va quand même terminer la VOD là-dessus. La VOD et le stream d'ailleurs. Aïe. Oh, je me rappelais plus de ce rush. Je me suis fait défoncer le cul. T'as pas honte? Non, non, pas une seule seconde. Mais l'avantage, c'est que du coup, on est juste à côté pour faire des trials. Donc on va faire même plusieurs trials. On va le tomber même, voilà, c'est dit. Vu que de toute façon je vais me faire éclater en boucle, voilà, on est juste à côté, et ça c'est beau. Remarque, est-ce qu'on peut pas juste le tuer depuis l'extérieur, genre depuis là? Genre est-ce que là je peux pas juste lui massacrer le cul? Non mais... Putain, mais vise-le, espèce de connard! L'autre, il va voir ce que c'est, quand même, on sait jamais. Mais reviens, espèce de connard! C'est pas possible. Combat d'autiste.
Ah si, c'est ça le cheese, bah d'accord, ok. Bah en effet, ça marche pas trop mal. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Tu veux faire tomber dans le trou de l'ascenseur aussi. Et il nous file une arme. Bon bah... GG, voilà. Ah putain, je savais pas du tout que c'était qu'il était tuable comme ça depuis l'extérieur, mais c'est vraiment plutôt génial. Alors, Uchi... Ah, c'est celle-là. 12 en force, merde, il manquerait un point de force éventuellement. Elle fait plus de dégâts. Elle fait pas de bleed, mais elle fait des dommages de congélation. Enfin, fil congélation, quoi. On peut la mettre en arme magique ou pas? Ah, ben voilà. Ben en fait, on va garder Luchi. Tant pis. Faut patcher ça. Ce sera jamais fait. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous dis merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine VOD. Et donc, bon, on va continuer l'aventure Dark Souls 3, et puis même, on va la terminer. On va vraiment terminer Dark Souls 3, ça c'est clair, parce que c'est un jeu que j'ai envie de faire, donc on le fera. Allez, salut à tous, et à la prochaine.